Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer notre réunion d'ici 2-3 minutes. On va attendre les retardataires. Quelques petites précisions. Vous êtes déjà un certain nombre. Quelques petites précisions sur le fonctionnement de notre film et nos possibles interactions. Vous allez pouvoir en fait échanger avec nous. Alors, on est bien sûr malheureusement dans une réunion qui est un peu particulière. On aurait préféré vous rencontrer sur le site. Mais pour des raisons évidentes, ça n'est pas possible. Alors, on souhaite quand même avoir cette interaction et on a souhaité vous laisser la possibilité d'échanger via le chat que vous avez sur le côté. Pour cela, quand même, il faudra que vous ayez un compte Gmail. Et ainsi, vous poserez vos questions et je les prendrai avec Mme Bosch qui est à mes côtés au fur et à mesure de la réunion. Voilà. Alors, la réunion va se dérouler de la façon suivante. Dans un premier temps, on va revenir sur ce qui se vit sur le lycée, de façon très générale, les lycées généraux technologiques. Puis, nous apporterons quelques précisions sur ce qui se vit à Saint-Louis, en première et en terminale. On passera assez rapidement, parce que ce sont des informations que vous avez déjà eues l'année dernière, au cours des réunions d'information de fin de troisième. Et on basculera assez vite sur la nature du bac, du nouveau bac, qui malheureusement n'a pas encore pu se mettre en place autant qu'on le souhaiterait au regard de la crise sanitaire. Et puis dans un dernier temps, on s'intéressera cette année, et c'est surtout ça qui doit vous guider, aux études possibles dans l'enseignement supérieur. Voilà. Je vous propose de démarrer. Alors, on va, pour l'instant, j'apparais en plein écran, mais le diaporama va s'installer et je serai en bas sur le côté à droite. Encore une fois, si vous souhaitez intervenir, je vais le redire parce que d'autres personnes nous ont rejoints depuis. Il suffit tout simplement de vous connecter à votre compte Gmail si tant est que vous en ayez un. Voilà, on va démarrer. Alors, la première partie de notre réunion donc revient sur très largement, mais rapidement en même temps, sur l'organisation de l'enseignement de la voie générale et technologique. Aux classes de première et terminale, vos enfants sont en classe de seconde, alors ils sont parmi nous aussi, donc vous êtes en classe de seconde. On va redire ce que vous savez déjà pour l'année prochaine et puis pour la terminale, comment ces enseignements sont organisés. Très simplement, vous vous rappelez, on vous l'a déjà dit l'année dernière, la possibilité d'aller vers un bac général ou bien vers un bac techno. La réforme a installé un seul bac général, et a maintenu les 8 bacs technologiques. La réforme n'a affecté en fait que le bac général. On est passé de 3 à 1. Alors, de 3 à 1, bac général, pas tout à fait, hein, puisque vous l'avez déjà entendu, on vous le redit ce soir, en fin de classe de seconde, vous avez le choix de 3 spécialités qui vont colorer votre baccalauréat, et on peut imaginer que dans le futur, lorsque vous remplirez votre CV, vous préciserez non pas bac scientifique, mais bac général, en mettant entre parenthèses des spécialités que vous aurez eu à suivre, notamment en classe de terminale. Donc, fin de seconde, le choix de 3 spécialités, on vous l'a déjà dit aussi, fin de première, on abandonne une des 3 spécialités, on bascule sur 2 spécialités, on passe un bac général avec 2 spécialités, maths éco, littérature et sciences, anglais et mathématiques, etc., etc. Voilà. Donc cette mécanique-là, cette organisation-là, vous l'avez déjà entendue l'année dernière, elle est toujours d'actualité, encore plus que jamais. Donc vos enfants sont en phase de choix de spécialité pour la classe de première de 3 spécialités. On a donc sur une classe de première générale, un tronc commun, 3 spécialités, plus éventuellement une option facultative. Donc, classe de terminale, on a également un tronc commun de matière, qu'on va revoir très rapidement, là, tout de suite, plus les 2 spécialités que votre enfant ou que vous aurez décidé de garder, et une ou deux options facultatives. Assez simple, très clair. Alors, regardons d'un peu plus près ce que sont les troncs communs sur la classe de première et sur la classe de terminale. Sur la classe de première, 16 heures au total, sur la classe de terminale, 15h30, on retrouve en fait toutes les matières très généralistes. Le français en première, la philo en terminale, l'histoire, les langues vivantes, les deux langues vivantes, A et B, hein, qui ne sont plus classées,
d'enseignement scientifique, ça c'est un peu une nouveauté. 2 heures d'enseignement scientifique, quel que soit le bac général que vous allez, les spécialités que vous allez prendre, 2 heures de sport et 1 demi-heure d'enseignement moral et civique. Donc 16h et 15h30, sensiblement les mêmes volumes horaires. Voilà, à peu près la moitié de l'emploi du temps, puisque les spécialités vont venir amener de l'ordre de 12 heures de plus. Une classe de première, c'est 28 heures, 28-30 heures de cours. Une classe de terminale, c'est à peu près le même volume. On va voir pourquoi tout de suite. Voilà. Donc, un tronc commun, et puis donc des spécialités. Sur le cycle terminal, sachant que le cycle terminal, c'est à la fois la première et la terminale. Donc, on vous redonne les mêmes informations que l'année dernière. Vous savez que parmi les spécialités, vous en avez 7 qui sont qualifiées de très généralistes, celles que vous avez à gauche sur le diaporama, et 5 qui sont plus spécialisantes et qui vont vers des bacs un peu plus spécifiques. Les 7 généralistes, je crois que tout le monde les a bien intégrés, les maths, la physique, la SVT, les sciences éco, l'histoire géo et la géopolitique, l'humanité, littérature et philosophie. Ça, c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais qui densifie le parcours. Les langues, la littérature et culture étrangère, ou plus exactement, de l'anglais plus, ou de l'espagnol plus. Voilà, concernant les spécialités profilées, vous avez du numérique et des sciences de l'information, des sciences de l'ingénieur, de la littérature et langue et culture de l'Antiquité, c'est-à-dire du latin très très renforcé, des arts, ou un cours de biologie écologie. On va plutôt vers des filières qui sont proposées dans des lycées agricoles. Les options, alors, les options facultatives, hein, elles sont très classiques. Finalement, le baccalauréat qu'on vous propose, donc, c'est bien un tronc commun plus des spécialités et des options facultatives. Ces options facultatives, c'est une langue vivante 3, c'est plutôt, des arts, de l'éducation physique et sportive renforcée, de la langue et culture de l'Antiquité, c'est-à-dire du latin ou du grec, et du grec, et enfin un atelier théâtre. Alors, parmi ces 5 options facultatives, vous en avez 4 qui sont proposées à Saint-Louis, on y reviendra peut-être plus précisément tout à l'heure. Ce sont celles qui apparaissent stabilotées en vert sur la vidéoprojection. Voilà. En première, donc, une option facultative, et en terminale, peut-être même 2 options facultatives. Apparaît en terminale 3 options importantes: droit et grands enjeux du monde contemporain, mathématiques expertes ou mathématiques complémentaires. Alors, ces 2 mathématiques, pour que vous puissiez les distinguer dès à présent, je prends un peu de temps. Votre enfant est en première ou vous êtes en première, vous avez fait le choix de 3 spécialités. À l'intérieur de ces 3 spécialités, eh bien, vous avez pris mathématiques. Alors, mettons que vous avez pris mathématiques, physique et anglais. Et puis en terminale, vous décidez de garder la physique et l'anglais. Un cours de mathématiques complémentaires vous sera proposé. Donc, le volume est autour de 3 heures. Et ça évite que vous fassiez une terminale sans mathématiques. Un autre exemple, vous êtes en première, vous avez choisi mathématiques, physique et SVT. Et puis vous gardez la physique et la SVT parce que vous imaginez faire des études de médecine. Ce qui n'est pas forcément le bon choix, hein, mais on peut imaginer cette doublette-là. À ce moment-là, en terminale, il est plutôt conseillé et souvent préférable de suivre un cours de mathématiques complémentaires pour faire et de la physique et de la SVT dans les spécialités et des maths de façon optionnelle. Le cours de mathématiques expertes s'adresse plus par contre à des élèves qui auront conservé la spécialité maths en terminale, donc qui auront un gros volume de maths, et ils iront rajouter encore 3 heures de mathématiques pour avoir un volume de mathématiques de l'ordre de 9 heures et on retrouve ainsi les filières mathématiques qu'on a pu connaître par le passé, spécialité maths avec de gros volumes horaires. Voilà. Donc un tronc commun, des spécialités, des options, une ou 2 options en fonction du niveau première ou terminale. Alors cette diapo elle est très bien parce que elle vous raconte pratiquement tout ce que vous pouvez faire en classe de première et terminale. Vous l'avez déjà vu l'année dernière. Mais pour ceux qui sont visuels, vous avez une synthèse de l'ensemble sur une seule diapositive. À droite, alors pardon, en haut à gauche, vous retrouvez les troncs communs de matière, les 16h ou 15h30. À droite, vous retrouvez les spécialités avec les volumes horaires, 3 spécialités en classe de première, 2 en terminale.
Ce qui fait, sur des volumes horaires de 4 heures, 3 fois 4, 12, ou bien 2 fois 6, 12 en terminale, donc 12 heures dans tous les cas, sur les deux années. Et donc on a bien 28 heures de cours. À cela, on peut ajouter des enseignements optionnels, en bas à gauche, dès la première, une langue vivante C, de l'art, du sport, ou bien du latin renforcé, du latin, pardon. Et en terminale, uniquement en terminale, les trois options dont on a parlé, les mathématiques expertes, les mathématiques complémentaires, et les droits et les grands enjeux du monde contemporain. Bon. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a suffisamment échangé avec les élèves pour que cette diapo soit suffisante pour eux, pour faire une piqûre de rappel à chaque fois qu'on a un doute sur l'organisation des enseignements. On passe au baccalauréat technologique. On prend aussi un peu de temps parce que certains de nos élèves en fin de seconde font ce choix-là. Très rapidement, ils sont quelques-uns. Beaucoup d'entre vous, hein, vous êtes peut-être vous-même derrière l'écran, beaucoup d'entre vous filez vers des filières générales. Sur les quelques 170 élèves, on en a entre 150 et 160 qui poursuivent l'enseignement général chez nous. Et puis, on a une poignée d'élèves, quelques-uns qui vont vers une filière technologique. ST2S, STMG, etc. Bien évidemment, on est sur un schéma sensible, sensiblement le même, avec du tronc commun, en première et en terminale, 14h ou 13h, et puis des spécialités qu'on va retrouver sur la diapositive suivante. Hein. Je prendrai les questions, hein, petit à petit. Alors, les options facultatives de la première sont stoppées en terminale ou elles continuent ? Elle continue, c'est-à-dire que le choix qui a été fait par l'enfant en classe de première s'impose en classe de terminale. Votre enfant a fait le choix de prendre latin en classe de première, il sera obligé de poursuivre en classe de terminale, et il en est de même pour l'art plastique, et puis la LVC chez nous, c'est le katana. Alors je continue mon exposé sur le tronc commun, sur la série technologique. Série technologique, 8 baccalauréats. Hein. Vos enfants, s'ils ont un projet peut-être un peu plus précis vers la filière technologique, ils n'hésitent pas à se rapprocher du professeur principal ou de Mme Bosch elle-même pour affiner ça. Donc, on a 8 bacs techno avec des spécialités qui collent exactement, bien évidemment, à la coloration de ces bacs techno. Je vous rappelle ce qu'ils sont. Le ST2S, ce sont les carrières sanitaires et sociales. STL, on est sur des techniques de laboratoire, technologie et laboratoire, avec deux flux, hein, le vivant, ou plutôt la partie bio, ou bien plutôt la partie physique. ST2A, sciences et techniques, technologie du design et des arts appliqués. Voilà, il faut avoir suivi plutôt l'enseignement de spécialité en classe de seconde, qui correspond à ça. Sciences et techniques de l'industrie du développement durable, STI2D, ce sont les bacs techno traditionnels qu'on a pu connaître sous d'autres appellations par le passé, STI, ou encore plus loin, il y a quelques temps, les bacs F1 et F2-F3. Le STMG, c'est le bac tertiaire, c'est très classique, qui va se décliner sur les spécialités qui sont le management, ou les ressources humaines, ou la compta finance. Vous avez un bac techno dans l'hôtellerie, filière très précise, hein, technique de la musique et de la danse, et puis le bac agricole. Voilà, donc pour ces 8 bacs techno, il faut vraiment les avoir à l'esprit, hein, et savoir qu'ils existent, parce que pour certains, c'est encore une option, en fin de seconde, de s'orienter vers ces filières-là. De la même façon que vous avez une diapo très généraliste pour les bacs généraux, vous avez une diapo aussi très généraliste pour les filières technologie, qui reprend l'ensemble de ces bacs. On retrouve en haut, à gauche, le tronc commun de matière, à droite les spécialités, avec les trois spécialités en classe de première et la possibilité d'en garder deux en classe de terminale. Donc, on est sur un schéma sensiblement identique à ce qui se fait sur les filières générales, mais c'était déjà un peu le cas avant la réforme. Alors, deuxième partie. Deuxième partie, on va redire ce qu'on s'est dit l'année dernière pour repréciser les enjeux. On fait des choix de spécialité et ça,
un impact sur le baccalauréat. Hein. Donc on choisit bien ses spécialités parce qu'on va voir que ces spécialités vont particulièrement peser sur l'examen. Petit rappel, donc, les épreuves du baccalauréat telles qu'elles sont constituées sur ce nouveau bac, 60% de la note est obtenue sur les épreuves finales, très classiques, au mois de juin, que ce soit en classe de première ou en terminale, et 40% de la note sont obtenues à travers ce qu'on appelle le contrôle continu. Mais regardez quand même que ce contrôle continu est lui-même décliné en 10-30. C'est important d'avoir à l'esprit non pas le 60-40, mais plutôt le 60-30-10. On l'a déjà dit l'année dernière, c'est important de bien comprendre cette organisation-là. On va maintenant regarder dans le détail comment ça s'organise. Modalité d'examen. Alors, ça apparaît, je crois, assez simplement. Première colonne, on vous a mis les épreuves ponctuelles, le fameux 60%. C'est-à-dire les épreuves que vos enfants, que vous avez passées, vos élèves, soit en fin de première, avec des épreuves nationales, soit en fin de terminale. On retrouve donc sur cette première colonne le français, avec un écrit et un oral, c'est-à-dire exactement la même organisation qu'on avait par le passé, coefficient de 5 et de 5, donc 10. En terminale, vous aurez aussi l'épreuve ponctuelle, en fin de terminale, de philosophie, coefficient 8. Vous aurez un grand oral, coefficient 10, en épreuve ponctuelle. Et vous aurez les épreuves ponctuelles des spécialités, ce qu'on a noté ES1, ES2. C'est enseignement de spécialité 1, enseignement de spécialité 2, 16 et 16, 32. Si vous faites l'addition de tout ce que vous avez dans cette première colonne, vous retrouvez le 60, les 60 coefficients qu'on a en épreuve ponctuelle classique pour chacun des élèves. Ensuite, on a une deuxième colonne, où là, on voit apparaître beaucoup de coefficients 5. Alors, c'est ce qu'on appelle la première partie du contrôle continu. Finalement, ce contrôle continu se passe en épreuve ponctuelle. Alors, si on peut oser une comparaison par rapport à ce que vous avez connu, le souvenir que vous avez de vos études, de vos parents et des élèves, ce que vous avez peut-être entendu, ces épreuves ponctuelles ont beaucoup ressemblé à ce qu'on appelle les examens blancs. Trois dates, deux en première, une en terminale. En première au mois de janvier et puis au mois de juin. En terminale au mois de janvier, trois dates, trois examens blancs, ou plutôt trois E3C. Donc ces E3C vont porter sur les matières qui s'affichent, hein, histoire géo, langue vivante A, langue vivante B, enseignement scientifique, sport, et l'ES abandonné. On va revoir tout à l'heure ce qu'il en est. Donc pour toutes ces épreuves, trois dates, trois épreuves en cours de formation, en contrôle continu, en faisant très attention, ce sont des épreuves nationales. Ce ne sont pas des sujets pondus au sein de l'établissement, contrairement à un examen blanc. Ce sont des épreuves qui sont dans une banque de données nationale. Et donc, les sujets sont des sujets nationaux. Donc, ça ressemble un peu à des partiels. Hein, un peu à des partiels, comme on l'avait dans l'enseignement supérieur, on l'a encore. Vous passez trois épreuves en janvier, juin et janvier de la terminale sur des épreuves qui sont des épreuves nationales, des sujets nationaux. Avec des corrections qui peuvent être d'ailleurs faites par des correcteurs de l'extérieur à l'établissement. Finalement, toutes ces disciplines vont faire l'objet, si vous additionnez, hein, 5, 5, 5, 5, 6, ça fait 6, 6 fois 5, 30, vous retrouvez vos 30 coefficients dont on parlait tout à l'heure dans le découpage 60-30-10. Alors, l'ES abandonné, c'est quoi? Eh bien, l'ES abandonné, c'est l'enseignement de spécialité que vos enfants ou que vous aurez suivi en première et que vous aurez abandonné. Vous passez de 3 à 2, il y en a un qui fera l'objet, en fait, d'une épreuve en juin de la classe de première, une seule épreuve, au lieu d'en avoir trois, pour cet enseignement de spécialité, vous aurez une seule épreuve, mois de juin de l'année de première. Pour les autres, ce seront trois épreuves, en histoire, en langue vivante A, en langue vivante B, en sciences, il n'y aura que deux épreuves, et en EPS, c'est un contrôle continu. Voilà, alors, clairement, hein, trois épreuves en histoire géo, trois épreuves en LDA, trois épreuves en LDB, deux épreuves en enseignement scientifique, parce qu'on a un petit volume horaire et qu'on est parti sur deux épreuves, une en juin, première, et en janvier, en terminale, et puis le contrôle continu en sport, comme c'était déjà en place jusqu'à présent. Et donc, une seule épreuve pour l'enseignement de spécialité abandonné. On arrive à 30. Concernant les 10 derniers coefficients, pour le coup, là,
ce sont les notes, les moyennes de des élèves obtenus en classe de première et terminale. On fait une moyenne sur l'ensemble des 2 années et ça donne un coefficient 10, à ce qui correspond à 10%. C'est de la note obtenue par votre enfant au baccalauréat. Alors ce qui est important, c'est ça. Hein, c'est bien comprendre qu'on a quand même 60 coefficients sur le ponctuel, 30 sur les épreuves de partiel et puis 10 sur les bulletins obtenus en classe de première et terminale. Les notes obtenues sur les bulletins en classe de première et terminale. Alors sur quoi le grand oral porte en fin de terminale? Eh bien, question qui est posée, essentiellement autour des enseignements de spécialité. C'est-à-dire qu'on va, donner, c'est là que c'est important de bien faire le bon choix. Parce que ce grand oral, il va être orienté vers la coloration qu'aura donné votre enfant au baccalauréat. Donc ça veut dire que ces enseignements de spécialité qui pèsent 16 et 16, ils pèsent davantage. Parce qu'en réalité, vous retrouvez aussi leur poids dans le coefficient 10 du grand oral. Donc c'est peut-être davantage encore que 16, c'est plutôt 20-25 par enseignement de spécialité. Très clairement, c'est eux qui vont faire le grand oral. On peut imaginer qu'un élève qui a fait un choix de spécialité mathéco, eh bien il aura un sujet qui portera quand même beaucoup sur ces deux disciplines. Dans le cadre, il sera encadré par ses enseignants, bien évidemment, hein, pour son grand oral. Alors, je suis allé à TV, un petit peu vite. Je vais très rapidement vous redire ce qu'on vous a dit l'année dernière et ce qui a déjà été dit aux enfants. Ce que nous proposons à Saint-Louis dans la voie générale, puisque nous n'avons pas de voie technologique. Voilà. 2 menus en classe de première. La philosophie, en fait, de la réforme, c'est de laisser un maximum de possibilités aux enfants. Et on essaie de coller à ça. On a proposé 2 menus. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que quand on laissait les enfants choisir pratiquement tout, on arrivait pratiquement au casse-tête en termes d'organisation, aussi bien au niveau de l'emploi du temps, mais même en termes de cohérence de choix des enfants, qui faisaient des choix qui étaient quand même pas forcément, en termes d'association, pas toujours très pertinents. Alors on a laissé une grande liberté, mais finalement on s'oriente vers 2 menus. Votre enfant pourra prendre, vous avez sur la diapo de gauche, hein, c'est la plus importante, premier menu, mathématiques, physique, et le troisième enseignement de spécialité sera libre entre soit la SVT, soit les langues vivantes, anglais ou espagnol, soit les sciences éco. Voilà, donc ça c'est le premier menu, hein, maths, physique, et en parallèle, SVT ou anglais, espagnol ou sciences économiques. Deuxième menu, beaucoup plus de liberté, 3 spécialités parmi le menu que vous retrouvez en dessous. C'est-à-dire les sciences éco, ou l'histoire géographie géopolitique, ou la filière très littéraire, humanité, littérature et philo, ou les langues, littérature et culture étrangère, c'est-à-dire l'anglais ou l'espagnol, ou les mathématiques. Voilà. Donc en fait, votre enfant fera un choix de maths physique plus un menu à 3 derrière, et puis derrière, une plus grande liberté sur le deuxième choix que vous avez juste en dessous. Ça correspond aux combinaisons qu'on a le plus retrouvées et qui sont, selon nous, les plus cohérentes au regard des orientations de nos élèves. En option facultative, classe de seconde, le latin, les arts, la LVC, catalan. Vous retrouvez bien évidemment ces options en classe de première et terminale qui sont complétées par un atelier numérique, 2 heures, ou un atelier théâtre. Et en classe de terminale, je crois que tout à l'heure on en a déjà parlé, mais je le redis, la possibilité aussi d'avoir un enseignement de mathématiques complémentaire pour ceux qui abandonnent les maths entre la première et la terminale, et ou bien un complément de mathématiques expertes pour les élèves qui veulent vraiment densifier leur parcours, notamment pour aller vers des filières très exigeantes de l'ingénierie. Alors cette diapo, on l'a maintenue, hein, mais bien évidemment au regard du contexte actuel, elle est peut-être un petit peu moins d'actualité, puisque tous les échanges et tous les voyages sont suspendus au regard de la crise sanitaire. Donc je vais passer rapidement et elle sera peut-être à l'ordre du jour de la rentrée prochaine. Juste préciser qu'il y a des échanges et vous allez les retrouver en voyant ce film et on espère que l'année prochaine on pourra les mettre en place.
que ce soit avec le Mexique, le Danemark, ou bien les voyages linguistiques en Espagne et en Italie. En plein milieu de cette diapo, quelques précisions, si vous revoyez le film, c'est en fin de seconde le partenariat avec JEV qui permettait de vivre l'immersion sur une durée longue. Voilà, ça paraît plus délicat pour cette année. Petit complément aussi. Alors, tout à l'heure, je réponds tout de suite à la question, puisqu'on est encore dans ça. On me demande si les langues vivantes portent sur les deux langues. Oui. On a cette richesse sur Saint-Louis d'avoir deux très belles équipes de langues vivantes, que ce soit en anglais ou en espagnol. Oui. C'est parce qu'on dit anglais. Ah oui, bien sûr, c'est cette question. Madame Bosch me fait une précision. Alors clairement, bien évidemment, si vous faites le choix de spécialité dans les langues vivantes, vous allez prendre, je ne sais pas moi, peut-être littérature, sciences éco, anglais, ou bien littérature, sciences éco, espagnol. On le propose et en anglais et en espagnol, hein, donc c'est une vraie richesse. Mais par contre, on ne pourra pas cumuler deux spécialités dans les langues vivantes. C'est vrai que ce n'est pas précisé dans la diapo. On ne pourra pas faire, par exemple, maths en choix de spécialité, anglais, espagnol. Hein, c'est une seule langue dans le menu, on pourra faire soit anglais, soit espagnol, si on choisit une spécialité. Voilà. Et bien sûr, en terminale, on ne pourra pas garder deux spécialités autour des langues vivantes en terminale. Hein, on ne pourra pas garder, de toute façon, ça ne sera pas possible en première, et donc impossible aussi en terminale. Alors, la date des spécialités, de ces spécialités, le retour va se faire autour du conseil de classe du deuxième trimestre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une fiche navette où il va y avoir un échange entre les professeurs principaux. Ça a déjà été distribué, je crois. Et vous allez avoir... Alors, vos enfants ont déjà été très informés. Et vous allez, à travers le document, pouvoir faire des choix. Les choix des enfants sont importants, et des parents aussi, hein. Et nous, on est dans 99% des cas, on les suit. Mais après, bien évidemment, il y a une partie conseil qui consiste à vous dire, nous, on pense que peut-être sur cette spécialité, c'est un petit peu juste ou autre. Mais c'est quand même les élèves qui sont souverains à la fin. Hein. C'est le choix des élèves qui pèsera et qui orientera, en fait, hein, les enfants. Voilà, donc, très clairement, je vais répondre à la dernière question. Très clairement, on aura... deuxième trimestre, fin de conseil de classe de deuxième trimestre, on aura déjà une photographie de ce que sont les spécialités, les choix des enfants à la fin de ce deuxième trimestre. Après, il y a des petits ajustements entre le deuxième et le troisième trimestre. Je prends la dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que l'enfant peut avoir en terminale latin et maths expertes? Oui, oui. Même si c'est vrai que dans l'emploi du temps, ça va faire beaucoup. Pour l'instant, cette année, c'est possible. Cette année, ça passe dans les emplois du temps parce que, vous l'avez compris, c'est une bonne réforme, mais ce qui pèse le plus, c'est l'organisation de l'enseignement et des emplois du temps. Cette année, ça a été possible de cumuler à la fois les maths expertes et le latin. Bon, on peut imaginer que l'année prochaine aussi. Je vais passer ces diapos parce qu'on l'avait en double. Alors, ce qui est important, et ça, j'insiste chaque année, c'est le parcours d'accompagnement dans le projet d'orientation. Hein, en classe de seconde, votre enfant est très accompagné par le PP, par la directrice adjointe, Madame Bosch. Malheureusement, le forum des métiers qu'on avait décidé de mettre en place va être annulé. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est en moins. Mais la réussite de la scolarité de votre enfant repose beaucoup sur son parcours d'orientation et sur ses choix. Donc on y est très attaché. En seconde, c'est fait. Et en classe de première, il aura une information sur les différents parcours, qui sera un temps important, pris avec les professeurs principaux, Madame Bosch et moi-même. Et il y aura bien sûr un forum des filières. On espère que l'année prochaine, il sera maintenu et que nos élèves pourront rencontrer toutes les filières de l'enseignement supérieur qui sont partenaires de Saint-Louis. En terminale, l'année du choix, une information aussi sur les différents parcours, des forums, des temps importants qui seront pris pour bien cibler ce qu'ils pourront vivre dans l'enseignement supérieur. Parce que finalement, ce qui doit guider le choix des spécialités, c'est surtout ce que veut faire l'enfant
après le bac. Nous, on les prépare à l'examen, mais on les prépare surtout à l'enseignement supérieur. On les prépare à travers l'enseignement, mais aussi à travers les choix de spécialité et en les projetant dans leur futur. Hein, ça, c'est important. Justement, donc l'enseignement supérieur, c'est bien ça. Peut-être mettre le diaporama entier. Hein, voilà. On va passer sur l'enseignement supérieur. Et maintenant, regardez de plus près ce que vos enfants auront à vivre et ce qui va être déterminant pour eux pour la suite. On va commencer par la diapo la plus synthétique, qui reprend l'ensemble de ce que vous retrouvez dans l'enseignement supérieur. Alors déjà, ce qu'il faut bien regarder sur cette diapo, hein, c'est les différents sites. On peut faire ses études dans le supérieur soit à l'université, soit dans un lycée, soit dans une école. Le mot « école » est un peu particulier, on y reviendra tout à l'heure. Mais l'université, je crois que tout le monde comprend ce que c'est. Les lycées, ce sont des établissements comme nous, qui peuvent proposer des enseignements dans le supérieur, on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc, soit on va à la fac, soit on reste dans un lycée, ou on va dans un autre lycée, soit on va dans une école. On entend par école les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture, donc c'est des écoles qui ne font finalement que de l'enseignement supérieur. Donc fac, lycée, école. Alors, en regardant bien cette diapo, vous vous rendez compte que sur le côté, vous avez le nombre d'années possibles d'études. Les plus longues, hein, ce sont les études de médecine, hein, qui vont jusqu'à 11 années. Finalement, il y a des paliers. Donc les paliers, vous les retrouvez autour de 2 années. Hein, beaucoup de choses au bout de 2 années, de 3 années, et puis ensuite 5 années. On est vraiment dans une logique 3-5. 2-3-5, 2-3-5-8 aussi. Hein, vous voyez qu'il y a un palier aussi autour de 8 années pour être doctorant. On a un bac plus 2, ou un bac plus 3, ou un bac plus 5, ou un bac plus 8. Hein, c'est un peu le système français tel qu'il est découpé actuellement. Voilà. Vous voyez aussi des petites étiquettes rouges un peu partout. Ces petites étiquettes rouges vous disent si on rentre dans ces filières sur concours, ou bien sur dossier, ou bien sur dossier, ou concours. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'étiquettes. Donc quand on a des étiquettes, ça veut dire qu'on est sur des filières qui sont dites sélectives. Hein, il va y avoir une sélection, que ce soit à l'entrée, ou au bout de 2 années, etc. Hein. Voilà, donc on va reprendre l'ensemble de ces filières dans les diapos qui vont suivre. On va commencer donc par l'université. L'université, le système est qualifié de système LMD. Pour L, licence, M pour master, D pour doctorat. Les études à l'université, généralement, on les retrouve sur 5 grands champs, les sciences humaines et sociales, les arts, lettres et langues, les sciences et technologies, activités du sport, les sciences et les technologies, droit, économie et gestion. Voilà. Donc en général, vos enfants, quand ils vont à la fac, hormis médecine, hein, ces études universitaires vont forcément travailler, faire leurs études sur un de ces 5 domaines. L'organisation de l'enseignement, quel que soit le domaine, est suivant. Alors, total une 40aine de licences, hein, pour entrer en première année de licence. L'organisation de cet enseignement se fait à la fac sur un système L3, L1, L2, L3. Vous rentrez à la fac en L1. Au bout d'une année, si vous obtenez un certain nombre de crédits, vous passez en L2, et puis ensuite en L3. À la fin de votre licence, vous pouvez continuer à la fac, vous passez en M1, Master 1, Master 2, et ensuite, si vous voulez continuer pour aller jusqu'à un doctorat, vous allez faire doctorat 1, doctorat 2, doctorat 3. Voilà. Sur le côté, vous voyez, et ça c'est important parce que les autres filières vont fonctionner un peu de la même façon, vous voyez apparaître des ECTS. Exactement, ce sont des crédits. Le chiffre 180 correspond à quoi ? Et à chaque fois que vous validez une année dans le supérieur, vous obtenez ce qu'on appelle 60 crédits. Voilà, donc 60 crédits à la fin de la première année, 60 à la fin de la deuxième, et on considère que vous avez une licence si vous avez obtenu 180 crédits. Ce système-là est un système européen qui permet de se repérer, et il va continuer au-dessus. C'est-à-dire que pour avoir un master, c'est-à-dire un bac plus 5, il faudra 5 fois 60, 300 crédits. Voilà. Pour le doctorat, on va continuer sur la même logique et avoir 480 crédits.
Alors, cette organisation sera la même quel que soit le secteur d'activité. Que vous fassiez une licence de mathématiques, une licence d'art, une licence de langue vivante, vous avez besoin d'avoir 180 crédits. Il s'est inséré sur le côté à droite le DUT. On va y revenir tout à l'heure. Hein, vous allez comprendre un peu la logique. Donc, le système français repose vraiment sur cette obtention de crédit qui va valider vos années au fur et à mesure que vous avancez dans le supérieur. Là, on est sur l'université. Hein. Toujours sur l'université, même si c'est un peu différent, les études liées au parcours de santé. Alors, une réforme très, très ambitieuse a vu le jour. Jusqu'à présent, on rentrait en première année d'études de santé, PACES, dorénavant, on rentre sur un portail santé et l'organisation a un peu changé. Alors c'est difficile d'en parler parce que les choses se sont mises en place autour de la crise sanitaire et elles n'ont pas été complètement poursuivies, tout n'est pas rentré en application tout de suite. Voilà, c'est un peu lié à la crise et vous imaginez que tout ce qui est nouveau depuis un an, ben ça balbutie et c'est un peu compliqué. Mais le schéma que vous avez devant vous, même s'il peut paraître compliqué, finalement est assez représentatif de ce qu'a voulu mettre en place le ministère. En fait, quand vous voulez faire vos études de santé, vous allez moins automatiquement à la fac de médecine. Deux parcours possibles. Soit vous allez vers le portail santé, que vous avez en haut, vers les flèches vertes, portail santé. Vous passez une première des épreuves et à la fin de la première année, vous passez en études de santé, formation générale de supérieure de médecine. Voilà, si vous avez réussi médecine. Si cette première année n'est pas concluante, vous n'avez plus la possibilité de redoubler. Le redoublement est interdit dorénavant à la faculté en médecine. Et donc, vous êtes basculé en deuxième année de mineur, de licence. Alors, si vous regardez en bas, vous avez L1, L2, L3. Tout à l'heure, vous avez noté que quand on est allé à la fac et qu'on allait faire une licence, on rentrait en L1. Donc, la deuxième possibilité, plutôt que d'aller vers un portail santé, c'est d'aller vers une licence. Vous allez faire une licence de mathématiques, vous inscrire à la faculté, et vous allez avoir la possibilité de prendre une option, licence de maths avec une option santé. Donc vous allez suivre une mineure santé. Voilà. Donc un enfant qui hésite un petit peu, soit il va vers médecine, ou plutôt il va faire une licence de maths, une licence de sport, et il va prendre une mineure santé. Il va passer en deuxième année de licence, L2, et à ce moment-là, il pourra passer le concours pour basculer en médecine. C'est le parcours parallèle, et regardez les taux que l'on retrouve, 40% des jeunes passeraient par une L2 plutôt que par le portail santé classique. Ce qui veut dire qu'on a deux trajets, soit on va faire médecine en passant par des études de médecine classique, et à la fin de la première année, on est pris, tant mieux, et on bascule en deuxième année, soit on va suivre une licence en prenant une mineure santé, et à la fin de la deuxième année, on va passer le concours parallèle et rentrer aussi en deuxième année d'études de santé. Donc le découpage voulu par le ministère, il est de 60 à 40. 60% des étudiants passeraient par la filière classique et 40% par la filière parallèle. Il faut faire attention parce que dans les 40%, on va retrouver les redoublants du portail santé. C'est-à-dire qu'un enfant passe en médecine, il n'a pas le concours. À la fin de la première année, il est allé en portail, mais il n'a pas été pris parce qu'il n'est pas rentré dans le numerus apertus, la nouvelle appellation. Il va redoubler. Mais il va redoubler en L2. Et en L2, il pourra repasser le concours. Donc dans les 40%, vous allez retrouver les élèves qui auront échoué à travers le passage classique en médecine. Il faut faire attention aussi, pour pouvoir redoubler en L2, il faudra que la première année portail santé, vous ayez eu la moyenne. Hein. Vous avez des notes hein, en médecine, normalement. Si vous avez plus de 10 de moyenne générale, à toutes vos épreuves de médecine, vous pourrez redoubler en L2. Il faut savoir que la barre pour être prise en médecine est autour de 15-16. Donc, il y a énormément d'étudiants qui sont en médecine, qui ne sont pas dans le numerus apertus, mais qui ont quand même la moyenne. Et s'ils ont la moyenne, ils auront la possibilité de redoubler en L2. S'ils n'ont pas la moyenne, ils iront en L2, bien sûr. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr que j'espère que j'ai été clair. De toute façon, il y aura un complément d'information pour ceux qui en ont besoin.
Alors, on a un commentaire, je le reprendrai tout à l'heure, parce que c'est une information que je n'ai pas. Je vais rester sur mon schéma d'information actuellement. Donc, diplôme que vous avez vu tout à l'heure, un pavé de 2 ans, le DUT, diplôme universitaire de technologie. C'est un beau diplôme, c'est un beau diplôme qui est de plus en plus coté, très apprécié, non seulement des professionnels hein, qui vont être recrutés, mais aussi de plus en plus des écoles d'ingénieurs. C'est un diplôme qu'on passe en 2 années, diplôme universitaire de technologie. On rentre, c'est une filière sélective, on est admis, le schéma vous voyez, hein, la sélection se fait sur 2 siècles en fin de terminale. Voilà, c'est un bon diplôme. Moi, si je dois vous donner un profil d'élève, c'est un élève qui est en terminale, hein, qui a 12-13 de moyenne, qui est un bon élève, qui travaille bien et qui est bien organisé. Alors, l'intérêt du DUT, c'est que Madame Larty, c'est Monsieur Larty, merci. Je reprendrai votre question tout à l'heure. Hein. L'intérêt de ce diplôme, en fait, c'est que vous êtes quand même très encadré. Vous êtes à la fac, DUT sont adossés à la fac, mais vous êtes quand même sur des petits groupes, très encadrés, avec de gros volumes horaires, c'est très encadré, avec beaucoup de contrôle continu. L'organisation est peut-être plus cadenassée, s'adresse à des élèves qui ont besoin quand même d'un cadre. Hein. L'université, on suit un très bon enseignement à l'université, mais le cadre est peut-être moins fort. L'organisation, bien, c'est 2 années, 4 semestres, 35 à 40 heures de cours. Vous êtes à la fac. Voilà. L'examen, eh bien, pour l'instant, je regarde ce que me dit M. Larty, et on est en train d'avoir les formations. Okay. Pour l'instant, il est sur 120 crédits. S'il bascule sur 3 années, ça sera 180 crédits. Vous êtes en contrôle continu, et à la fin de ce diplôme, vous basculez sur une licence pro, ou une licence, ou une école d'ingé, ou une école de commerce. Il faut savoir que ce sont des diplômes qui sont très bien vus, hein, très bien vus, notamment pour basculer sur les écoles d'ingé et les écoles de commerce. Hein. De plus en plus, ces écoles-là, ben voilà, ils ne classent pas assez bien, mais ils ont envie d'avoir d'autres profils, et souvent les DUP correspondent à ça. 42 spécialités de DUT. Alors, on fait un DUT dans un domaine très précis. Hein. Vous allez faire, je ne l'ai pas dit, bien évidemment, vous voulez faire de la physique, vous faites un DUT mesures physiques. Vous voulez faire de la gestion, vous avez un DUT gestion, GGEA. Vous avez des DUT pratiquement pas sur toutes les conventions collectives, mais pratiquement, hein, qui on colore énormément ces études supérieures. De toute façon, à un moment donné, on se spécialise. Hein. Brevet de technicien supérieur. Brevet de technicien supérieur. Pareil, hein, 2 années dans le supérieur. On va partir sur un champ d'activité bien précis. On se spécialise très vite hein, dans les services, dans le tertiaire, dans les arts, dans l'industrie. Voilà. Alors, petite différence sur le BTS, c'est qu'on n'est pas à la faculté. On va le voir tout à l'heure, ça se fait sur des lycées. Au niveau du profil de l'élève, on est aussi sur 2 années d'enseignement supérieur, on est sur un enseignement plus concret. On aura peut-être un petit peu plus de difficultés à rebondir sur une 3e année en licence, on le fera, c'est possible, mais on est sur quelque chose de plus spécialisant. Et voilà, le DUT, les études supérieures, les études derrière le BUT sont quand même plus faciles à poursuivre. 150 spécialités de BTS dans les secteurs suivants. Alors, l'admission se fait sur dossier. Bon, généralement, quand on veut faire un BTS avec un bac général, c'est pas vraiment un souci. Hein. Voilà, il faut prendre un BTS qui corresponde quand même un petit peu aux études qu'on suit. Si on veut faire un BTS dans un domaine des ressources humaines, il vaut mieux avoir fait quand même des disciplines et des spécialités qui sont autour de ça. Mais l'admission est assez simple. L'organisation, donc c'est 2 ans, 4 semestres, 30-35 heures de cours. Ça se fait en lycée. Voilà, et vous avez des BTS qui sont faits dans alors nous on n'en propose pas, mais vous en avez à Bon Secours, vous en avez à Mariac, vous en avez à, je pense, à Arago aussi. Hein. Voilà, donc vous êtes en lycée, vous continuez, c'est la même organisation, rien de particulier. Vous avez 120 crédits. La poursuite d'études est possible, code de commerce, licence, école d'ingé après ATS, hein, une remise à niveau dans une préparation à l'enseignement supérieur.
Vous pouvez basculer aussi dans la vie active. Bon, je dirais que pour suivre derrière un BTS, moi, le conseil que je donnerais, ça serait plutôt la licence pro, c'est-à-dire une licence L3 qui va avoir un enseignement quand même très professionnel. Voilà. C'est un bon petit diplôme, ça s'adresse à des élèves qui ont un bon niveau, plutôt moyen, qui ont besoin d'être encadrés, parce qu'à la fac, bon, ben, s'ils sont tout seuls, peut-être qu'ils seront un peu de mal à organiser leur temps d'enseignement. On a besoin d'être encadré, on est un élève plutôt moyen, et on l'invite quand même de faire des choses plutôt concrètes. Voilà, c'est un peu le profil d'élève qui va aller vers le BTS. Filière sélective. Alors, on a essayé de vous découper l'exposé de la façon suivante. On a parlé des facultés, hein. Ensuite, on a basculé. Alors, j'ai oublié de le préciser, bien sûr, les facultés ne sont pas sélectives, hein. Par contre, que ce soit le DUT, vous l'avez vu, le BTS, on est sur des dossiers, donc filière sélective. Troisième filière sélective, les classes préparatoires aux grandes écoles. Appellation CPGE, c'est le sigle que vous allez retrouver. Donc, on sort de terminale, on va déposer un dossier pour entrer dans une CPGE et on va, pendant 2 ans, préparer un concours qui nous permettra de rentrer dans une grande école. Les 3 champs sont très connus. On a les classes préparatoires littéraires, on a des classes préparatoires économiques et commerciales, et on a les classes préparatoires scientifiques, qui se déclinent, hein. Vous pouvez vérifier, je ne veux pas que ce soit très long, avec des spécialités. Alors, par exemple, si vous regardez les classes prépa scientifiques, le MPSI, c'est bien sûr maths, physique, sciences et ingénieurs, le PC, c'est physique, chimie, etc., etc. Vous allez retrouver tout un tas de sigles, le BC, le PST, c'est de la bio. Alors, peut-être passer un peu plus de temps sur cela, quand on parlera de veto tout à l'heure, ça sera important. Au-dessus, pareil pour les études scientifiques, avec une option ECS, une option scientifique, ou économique, ECE. Hein. Voilà. Donc, pendant 2 années, on est en classe prépa et on prépare des grandes écoles. À la fin de ces 2 années, on va passer un concours. On va passer un concours. Pour entrer dans une classe préparatoire scientifique, si on a fait une classe prépa GE à coloration scientifique, en général, on vise une école d'ingénieur, privée sous contrat ou public. C'est important de regarder tout de suite ce qu'elles sont. Il y a à peu près, alors moi je dis 200 écoles d'ingé, il y en a 150 à 200. Recensé, c'est un chiffre qui n'est pas tout à fait juste, hein, il faut le vérifier, mais c'est à peu près ça. Hein. Pour les classes prépa économiques et commerciales, on vise aussi l'école de commerce. Pour le coup, là, elles sont toutes privées et souvent coûteuses, hein. 150 écoles de commerce recensées. Pour les classes prépa littéraires, on vise les écoles normales, lettres et sciences sociales, école normale supérieure Hippocane, lettres militaires, si pas de réussite au concours, dans tous les cas, sur ces 3 filières, parce qu'on peut très bien faire une CPGE et à la fin de ces 2 années passer des concours et ne réussir à rentrer dans aucune école d'ingénieur ou supérieure. Voilà. On peut rebasculer, bien évidemment, sur la faculté. Généralement, on a obtenu 120 crédits et on peut basculer directement sur une L3. Voilà. Alors, le profil des élèves qui vont dans ces CPGE, ce sont quand même des élèves qui sont très travailleurs et qui vont être soumis à une forme de stress parce que quand on est dans une classe prépa, on côtoie des jeunes qui sont un peu vos futurs concurrents. Et en même temps, beaucoup de travail, très sollicité, beaucoup de pression. Voilà, donc il faut être à l'aise dans ses études, en terminale, et il faut se préparer quand même à recevoir pas mal de pression. Voilà. Alors, je pense que ce qui est important, c'est développer une forme de maturité, parce que très souvent, finalement, c'est souvent ça, hein, c'est la maturité qui manque à nos jeunes pour réussir dans ces classes. Donc le schéma est classique, 2 années de CPGE, et ensuite on bascule sur une école d'ingé, 3 années d'école d'ingénieur, ou bien 3 années d'école de commerce, ou bien 3 années d'école des arts, d'école normale supérieure de lettres. À l'arrivée, on a un bac plus 5 finalement. Hein. On a fait 2 plus 3, 5 années dans l'enseignement supérieur, on est soit ingénieur, soit commercial. Filière qui peut vous mener aussi à un bac plus 5 et vous permettre d'être ingénieur, ou bien de faire des études de commerce, c'est ce qu'on appelle, et c'est de plus en plus des écoles avec préparation intégrée. Quelle est l'organisation? Eh bien, on est sur un schéma où plutôt que de faire 2 plus 3, on rentre directement dans une école qui va vous préparer aux 5 années. On n'aura pas le concours à la fin de la deuxième année.
Par contre, bien évidemment, on va avoir le filtre, le dossier d'entrée à la fin de la terminale, c'est-à-dire quand vous allez passer votre baccalauréat. Il s'agit d'écoles d'ingénieurs qui intègrent les élèves après la terminale. Elles sont dites intégrées, donc. L'ensemble de l'enseignement se fait dès la première année, on va poursuivre au sein de la même école. Alors, les deux premières années sont très généralistes, et à la fin de la deuxième année, on va faire des choix de spécialité pour donner une coloration quand même à ces études. Voilà. Ce sont des écoles qui sont de plus en plus prisées. Alors, les plus connues sont l'INSA, l'ISCA, Polytech. Il faut le bon dossier, hein, surtout pour entrer à l'INSA. L'INSA, c'est une école qui est de plus en plus prisée, qui finalement a pris le dessus sur des écoles d'ingénieurs classiques. Hein, on rentre très difficilement à l'INSA. Il faut vraiment un très beau dossier, souvent une mention très, très bien au bac. Voilà. Donc, ce sont des études qui sont moins stressantes, parce que finalement, vous n'avez pas le coup près de la deuxième année avec les concours. Cette pression-là, elle est forte sur les CPGE, ben, vous ne l'avez pas en classe de prépa intégrée. Ça correspond à des élèves qui ont un très bon niveau, qui sont à l'aise dans leur enseignement et qui n'ont pas envie d'avoir ce stress peut-être du concours à la fin de la deuxième année, que vous sentez au cours de tout le parcours d'enseignement. Alors, on détoffera bien évidemment en première et en terminale cette présentation. Alors, on va un peu vite ce soir parce que c'est déjà 18h09, hein, ça fait 50 minutes que je parle. Un petit aparté sur les études de vétérinaire parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ça. Nous avons deux voies d'admission. C'est aussi une nouveauté. Il y a à peu près 600 vétérinaires chaque année qui sortent, hein, du système scolaire français. Quatre écoles, une parisienne, une lyonnaise, une du côté de Nantes et une à Toulouse. La parisienne, c'est Maison Alfort, qui est une ville qui se trouve en banlieue parisienne. Jusqu'à présent, on passait par un concours qui permettait d'intégrer une de ces quatre écoles. Et on avait les 600 places qui étaient réservées à ce post-concours. Alors, voie d'admission post-CPGE, on faisait une classe préparatoire aux grandes écoles et on passait un concours à la fin des deux années. Tout à l'heure, on a vu le BCPST, là, hein, une option qui permettait de préparer ce concours. Voilà. Vous allez dans un des 50 lycées qui vous permettent de préparer ce concours. Nouveauté, on peut maintenant entrer en vétérinaire directement en passant un concours après le bac. Donc on rentre. Alors, faites attention, hein, parce qu'il faut être sûr de son choix pour le coup. 160 places sont quand même réservées à ces jeunes pour qu'ils vont être admis directement, c'est énorme, hein, ça fait un quart. Directement après le baccalauréat. Voilà. Total, donc vous avez 600 jeunes en moyenne qui obtiennent le diplôme de vétérinaire chaque année. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire une classe préparatoire aux grandes écoles pour passer le concours au bout de 2 ans. C'est ce qui est conseillé. Mon expérience me fait dire que ce n'est pas automatique. Hein. Moi, j'ai connu des jeunes qui avaient fait des licences et qui avaient eu concours. Donc, c'est pas réservé aux seuls élèves. Le concours n'est pas réservé aux seuls élèves qui passent qui ont suivi l'enseignement en CPGE. Voilà. Alors, j'avais en principe une diapo de plus, mais visiblement, je l'ai zappé. Je l'ai sur un autre diagramme. C'est pas grave. Je voulais juste vous alerter sur le niveau d'obtention du baccalauréat. On va remettre peut-être la diapo d'accueil. Voilà, ce qui est important, c'est à retenir, parce que le diaporama, vous allez le revoir, c'est surtout que ce qui doit guider le choix des spécialités, c'est bien ce que l'élève, l'enfant voudra faire dans l'enseignement supérieur. Hein. On ne choisit pas des spécialités un peu comme ça, notamment en fonction des affinités, de ce qui s'est passé en seconde, si on a eu des bonnes notes et autres. On doit quand même regarder ce qu'on a comme projet dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est important. Et si on ne sait pas, on discute avec papa, avec maman, avec un professeur, on essaie quand même d'y voir un petit peu plus clair parce que ça c'est essentiel. Et puis je voulais vous guider, le diplôme du bac c'est un beau diplôme, vos enfants on va les accompagner, moi je crois que c'est, contrairement à ce qu'on dit, c'est le premier diplôme du supérieur, il faut vraiment beaucoup travailler pour obtenir ce diplôme, mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment de les préparer au supérieur. Voilà, et donc ça il faut l'avoir à l'esprit pendant les 2 années qui vont vous rester à passer à Saint-Louis en première et en terminale. Voilà. On en a à peu près terminé pour cet exposé. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. En revanche, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà.
Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, de toute façon, les professeurs principaux, Madame Bosch et moi-même, nous nous tenons à la disposition des jeunes pour qu'ils puissent, bien évidemment, poursuivre dans le parcours d'orientation. Merci à vous et puis je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Dans de meilleures conditions, en tout cas, nous l'espérons. Bonne soirée.